Bonjour à tous, Sylvain Joannet de SEJC Électronique à Saint-Sauveur. Prochaine vérification, diagnostic puis réparation. Un ordinateur Dell, c'est un i7, très bon ordinateur, d'un 17 pouces. Le client a changé la batterie dessus. On a vérifié le chargeur, tout est beau, il ne charge pas. Donc, il va falloir que j'aille vérifier les transistors MOSFET à l'intérieur parce qu'il ne veut pas charger. Donc, on ne perdra pas de temps avec ça. Je l'ai vérifié. Là, si j'enlève le câble ici, là, elle éteint tout de suite. Donc, on va fermer ça. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. La batterie est flambant neuve dedans. Il a mis une batterie neuve à l'intérieur. Rien à faire. Elle ne charge pas. Fait que, on ne perd pas de temps avec ça. On va regarder dedans. Allons-y. Bon, ben j'ai retiré la carte mère avec le branchement ici pour le chargement. On va aller pouvoir voir parce que c'est en dessous. On va aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Pourquoi ça ne fonctionne pas? J'ai mon chargeur. Bon. Du rouge là. J'ai bel et bien le voltage qui rentre. C'est parfait. Ici. Parfait. Mon voltage rentre ici. 19,58 ici. Il ne sort rien de l'autre bord. Je pense que j'ai trouvé notre coupable. Bon. Avant de demander de manquer de batterie sur ma caméra, je me suis rendu compte que je me sauvegarde ici. J'ai un petit transistor qui rentre 19,58 mais qui sort rien. 19,59. 19,58 à la sortie 0 0 0 0. Si j'en prends un autre pareil à côté, j'en ai un autre ici. 19,58. 24,65. 19,58. 19,59. 19,58. 19,58. 19,59. 19,59. Et voilà, c'est lui ici. J'en ai un qui fait défaut. Mes condensateurs à côté sont corrects. Probablement que c'est lui qui amène le courant pour la batterie. Puis il n'y a rien qui se passe. Donc, je vais vérifier pour avoir ce petit transistor-là de MOSFET. On va prendre le numéro dessus comme il faut. Puis on va revenir avec ça. À suivre!